J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois dans mon dressing. Là il est prêt à péter. On dirait pas hein, mais il y en a partout. Je suis en train de préparer le vide dressing. Cette fois c'est vrai, je vous avais dit ça dans ma dernière vidéo, mais au final j'avais dû l'annuler. Donc là c'est bon, normalement je suis en train de faire un tri. Et je suis aussi dans un tri été-hiver. Donc autant vous dire que c'est le bordel. On se retrouve donc pour un nouveau haul. Et ce sera un haul complet Kiabi, puisque je suis partie avec la marque début du mois de septembre à Porto pour un voyage presse. Donc j'ai eu plein de vêtements trop cool. Et je suis aussi passée la semaine dernière en boutique à Brest et j'ai encore trouvé des pépites. Donc voilà, l'occasion de vous montrer tout ce que j'ai pris ce dernier mois, mois de septembre. Oui, j'ai du mal à me dire qu'on est déjà passé en octobre. Bref, c'est parti, je vous montre tout ça. J'ai vraiment plein de trucs à vous montrer et notamment pas mal de jupes et de pulls parce qu'en automne moi c'est ce que j'aime porter, des petites jupes encore jambes nues, enfin faut pas déconner, c'est pas non plus l'hiver, donc moi je fais de la résistance, tant qu'il fait pas trop froid je mettrai des jupes sans collant, voilà, et comme ça caille un peu, bon quand même les gros pulls, voilà, c'est l'association que j'aime trop porter en cette saison. Donc déjà j'ai craqué sur cette jupe noire en simili avec des petits boutons là, elle est vraiment trop canon, je l'aime beaucoup, c'est la jupe simili quand on sait pas quoi mettre avec un pull, et ben on met ça. Je crois que je l'ai prise en 36 il me semble, faut que je revérifie. Et ce gros pull, j'ai pas l'habitude de porter beaucoup de couleurs mais ce bleu est vraiment ouf. Je l'ai pris en M pour qu'il soit un peu loose et il est nickel vraiment, mais je l'adore, je le trouve trop beau. Voilà, donc ça fait une petite tenue toute simple, mais moi j'aime bien avec un manteau par-dessus, ça le fait. Toujours dans les pulls, ils étaient vraiment pas chers, je crois que c'était une quinzaine d'euros, donc franchement ça vaut grave le coup de faire le plein de pulls chez Kiabi parce qu'ils sont hyper agréables. J'ai craqué sur celui-ci, bon il est tout taché là, on voit pas très bien, mais il était dans le bac à linge, mais je l'ai ressorti pour vous montrer parce que franchement je crois que c'est mon préféré, il est tout doux, je l'aime trop, couleur beige un peu... beige. Pourquoi je cherche toujours un peu beige, un peu camel? Non, beige, point. Pareil, je l'ai pris en M pour qu'il soit un peu plus grand. Moi, j'aime bien porter les pulls un peu loose. Je l'adore avec un pantalon ou une jupe. Je trouve trop beau. Lui, c'est vraiment mon préféré. Je crois que vous avez été nombreuses à craquer. Mais en même temps, bah voilà quoi. C'est une pépite. Il coûte 15 balles. 15. Un autre pull que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Beige beige blanc. Ouais, beige blanc, il est entre les deux. Avec de la dentelle noire ici, je trouve que ça fait bah, comme si on avait un petit haut en dessous. Et du coup, ça fait un peu... ça rend le pull un peu plus habillé. Pareil, une taille au-dessus de la mienne. Et là, justement, j'aime beaucoup le rappel jupe simili avec petite dentelle. Franchement, il est vraiment trop beau. Je kiffe. Ensuite en magasin pareil j'ai craqué pour un béret noir, écoutez je crois 7 euros un truc comme ça, j'aime trop, il était en gris aussi et là sur H&M je me suis commandé un crème qui a l'air trop beau, voilà, donc là je pense que en fait c'est j'aime bien mais c'est juste la façon de le mettre, des fois je galère et ça rend, c'est pas très beau mais une fois que c'est bien calé, moi j'adore, ça change un peu des casquettes et des chapeaux et je pense que je vais kiffer le béret cet automne-hiver, voilà. Alors ensuite, mon coup de cœur de mon passage la semaine dernière en boutique, c'est cette jupe en simili avec une fente ici. Je l'adore. D'ailleurs, je l'ai portée comme ça vendredi soir pour sortir. Et j'adore le rendu en fait. Soit vous pouvez porter avec des baskets, soit avec des talons et avec un t-shirt un peu loose. Qui casse le côté trop bah trop maîtresse maîtresse d'école, mais je sais très bien que les maîtresses d'école ne s'habillent pas comme ça, mais un peu trop sexy, vous voyez. Donc moi j'adore cette tenue, la jupe je l'ai prise en 36 il me semble, elle est vraiment trop belle, elle fait des jambes de malade je trouve. Pas l'habitude de voir mes jambes comme ça, non mais ça c'est vraiment mon coup de cœur. Et avec une... par contre il faut pas sortir le ventre, hein. Là il faut bien le rentrer parce que là... hein, voilà, on fait un effort. Donc là il y a une fermeture ici et puis voilà, elle est trop belle et j'aime trop le rendu jupe t-shirt, je suis trop fan. Bon, ensuite il y a cette jupe, elle est pas du tout repassée mais elle sort du sèche-linge. Elle ressemble à l'autre mais celle-ci est en coton et elle est plus longue pour le coup, elle arrive au niveau des genoux.
Donc au final, rien à voir. C'est une tenue que je portais à Porto quand je suis partie avec Kiabi justement. Et là, pour le coup, celle-là, je la porte plus avec un haut un peu plus habillé dentelle qui vient de chez Kuka. Et des baskets pour un côté un peu plus sport. Baskets qui viennent aussi de chez Kiabi, que j'aime trop. J'ai pris ma taille habituelle, elles sont nickel. Deux façons de porter la jupe crayon différentes. Donc soit là avec un haut plus habillé et des baskets, soit avec des talons et un haut moins habillé. Voilà, j'aime beaucoup les deux et je pense que je vais vous faire un article sur comment porter la jupe crayon. Parce que franchement, j'aime trop porter ça en ce moment. C'est ma petite lubie. Donc voilà, petit look sympathique. Et elle est nouée ici et je l'ai prise en 36 il me semble. Ouais. Ensuite il y a ces deux pièces que j'adore ensemble d'ailleurs. Donc ça c'est un simili Kiabi. Bah, en même temps c'est un haul Kiabi donc forcément c'est du Kiabi. Je l'aime trop trop trop, le simili parfait avec une petite fermeture ici et il y a un petit bouton aussi. Franchement il est hyper agréable à porter. J'ai pris un 38 par contre. J'ai pris ma taille au-dessus, je le trouvais un peu petit ou alors c'est moi qui a grossi, je ne sais pas. Mais franchement il était vraiment pas cher en plus. Il fait un petit cul pas dégueu. Donc ouais, voilà, je l'adore. Je vous présente pas mal de simili, mais j'aime trop porter ça en automne-hiver. Et avec cette chemise kaki prise en 38 pour qu'elle soit un peu plus loose. Et là, je suis agréablement surprise de la qualité parce que franchement, la couleur est ouf. La coupe aussi. Et ouais, franchement, je la kiffe trop. Je la trouve vraiment trop belle. Trop canon. Et pour le coup j'aime bien, bah du coup c'est un total look Kiabi avec les baskets aussi, j'adore. J'ai gardé mon simili pour vous présenter du coup ce pull de Folie. Ça clairement c'est le genre de look que je peux porter tous les jours, trop confortable et plutôt stylé ma foi avec une petite casquette ou un petit chapeau. Donc c'est ce pull XXL beige. Enfin je dis XXL mais non en fait il est jalouse de base mais moi je l'ai pris en L. Je l'ai grave surtaillé parce que je me suis dit que j'allais le porter comme ça avec un simili ou alors avec des cuissardes. Donc je voulais qu'il tombe quand même assez bas. J'aime bien le rendu hyper loose, j'adore. Je l'ai essayé en M aussi, il faisait un peu moins grand mais ça, enfin, ça allait tout autant. Mais moi je voulais un hyper large et pour le coup on voit pas ici... Vous savez les coutures que ça fait vraiment trop grand. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le L et il est vraiment très très beau. Ensuite j'ai pris aussi cette robe, alors là toute simple, noire. Mais plutôt cutie je dois dire, hein, j'aime bien. À manches longues, je porte très peu de robes manches longues j'ai l'impression. Donc là j'étais contente de tomber sur elle. Parce que du coup pour l'automne c'est parfait, j'aurai pas trop froid. Donc là elle se noue ici et elle est cache-cœur ici, voilà. Mais vraiment toute simple et moi je la porte avec des bottines, vous savez style Doc Martens. Celles-là viennent de chez Jonac, je les ai depuis l'année dernière. Et ça tombe bien parce que c'est la grosse tendance cet automne-hiver. Donc j'aurais pas besoin d'en racheter, hein. Je garde celle-là. Voilà, et je trouvais que ça cassait le... Je suis essoufflée ou je rêve, genre la meuf parle trop vite, c'est abusé. Ça casse le côté un peu trop simple de la robe. Voilà, avec un petit perf, ce sera parfait. Niveau accessoires, en plus du béret, j'ai pris aussi cette casquette en magasin. Je la trouvais trop mignonne, grise, avec une petite bande bordeaux, ça change un peu. Et voilà, elle est trop mignonne, avec une pour relever une petite tenue noire. Je suis fan. Ensuite, il y a ce body que vous aviez adoré en story et que moi j'adore aussi puisque je le porte hyper souvent. D'ailleurs, je le porte souvent comme ça en soirée avec des talons et un mom jean qui vient aussi de chez Kiabi et les talons aussi qui viennent aussi de chez Kiabi. La meuf est vendue Kiabi en fait. Mais c'est un de mes mom jeans préférés. Et pareil, les escarpins, je les ai depuis l'année dernière. Ils ne bougent pas. J'ai du mal à parler. Ils ne bougent pas. Je les mets tout le temps et pourtant, bah, la qualité reste... reste impeccable. Bref, donc ce body trop canon, bleu avec des petites fleurs un peu violet et blanc et blanche, violette et blanche, hein, on fait les accords, merci. Une petite pression ici pour l'accrocher si vous voulez, pour pas qu'il y ait tout qui sorte. Moi je le laisse un peu ouvert, comme ça, ça descend un peu plus bas. Ouais, bah je l'adore, ici aussi, il peut se boutonner tout le long, comme ça. Je l'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris cette petite blouse blanche trop mignonne qui fait très prout prout de madame.
Mais moi j'aime trop avec, ou très petite fille, hein, ça dépend comment on le prend. Avec des petits volants ici, ici sur les manches aussi. Elle est toute en dentelle partout. Et ouais, je la trouvais trop mignonne, elle était pas chère non plus. Donc voilà, petit coup de cœur sur celle-là aussi. Bon, de toute façon, j'ai que des coups de cœur pour ce que je choisis. En même temps, sinon je ne les choisirai pas. Bref, trop chou. Pour ce petit haul Kiabi, j'ai terminé, il me semble. Oui, je vous ai tout montré. Il y avait pas mal de choses, mais bah franchement, il y a des trucs trop beaux en ce moment depuis la rentrée. Je trouve que des pépites. Voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo mode encore sur mes dernières nouveautés de mon dressing, mis à part Kiabi du coup, puisque ça c'est fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.